On va revenir sur Resident Evil Village. Alors, je vous ai fait plein de lives. Et vous avez été ultra nombreux, je vous en remercie. Si vous les avez manqués, ils vous attendent juste ici, la démo décortiquée plusieurs fois, etc. Mais le titre a aussi dit deux, trois autres petites choses. Et en l'occurrence, ils ont, Capcom, levé le voile sur la composante technologique. Comment ça tourne sur les différentes plateformes sur lesquelles sort le jeu, avec le RE Engine, le fameux. Eh bien, regardez, il y a toutes les machines qui sont là. PlayStation, Xbox, Stadia. Bon, il n'y a pas le PC hein, pour l'instant, mais qu'est-ce qu'on peut noter? Eh bien, on peut noter que du côté de la PS5 et de la Xbox Series X, sans ray tracing, on sera en 4K HDR, 60 images par seconde. Donc, plutôt cool. Avec ray tracing, on sera sur PS5 et Xbox Series X, et à chaque fois c'est pareil, 4K HDR, 45 images par seconde. Et oui, on perd 15 frames par seconde avec le ray tracing, mais du coup, bah, on gagne en fidélité visuelle, en petits effets de reflets, etc. Voilà. Du côté de la PS4 Pro et la Xbox One X, ce sera pareil, hein, 1080p, 60 fps. Par contre, bah, y a pas de ray tracing sur ces machines d'ancienne génération, voilà. Et PS4, 900p 45 fps, Xbox One 900p 30 fps. Et vous aurez noté aussi, pour ceux qui ont une Xbox Series S, qu'on sera sur du 1440p HDR en 45 images par seconde sans ray tracing, et avec le ray tracing, on perd là aussi 15 images par seconde, pardon, et on passe donc à 30 images par seconde. Voilà en tout cas ce que l'on pouvait dire sur la technique. À noter aussi que du côté de Stadia, on est sur du 1080p 60 fps ou de la 4K 60 fps. À noter que la 4K est upscalée en résolution dynamique et qu'il n'y a aucune mention de ray tracing. Ça peut paraître un petit peu surprenant, mais c'est comme ça. Pour l'instant, avec les données qui ont été fournies, peut-être que cela sera mis à jour ultérieurement, ne serait-ce que pour préciser un petit peu les configs autour du PC.